Alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien depuis la dernière vidéo. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Je m'appelle Jonathan. Bon, en fait, tu me diras si écrit juste en dessous. Et sinon, passons directement au sujet de la vidéo. 12 façons de pouvoir gagner de l'argent dans le monde entier, mon ami. 12 façons de pouvoir gagner de l'argent. Ok, j'ai tiré ça du livre Le Personal MBA. Il est vraiment ouf, ce livre. Tu vois, je suis retombé dessus d'ailleurs parce que j'avais lu il y a longtemps. Là, j'ai refeuilleté un petit peu. Et il est lourd, hein. Très très lourd, mon gars. Tu prends quelques astuces dessus, tu gagnes de l'argent. Je mettrai le lien si ça t'intéresse, juste en dessous. Donc, 12 façons de gagner de l'argent. Et ça, c'est... c'est des systèmes qui sont utilisés dans le monde entier. C'est ce que toutes les entreprises utilisent. Toutes les entreprises utilisent au moins une façon que je vais te citer. Eh oui, mon ami. Et toi, tu vas toutes les avoir. Donc, c'est parti. On en a pour un moment, j'ai envie de te dire. Première façon de gagner de l'argent, créer un produit. Créer un produit plus cher que son prix de fabrication ou de revient. Voilà, l'essentiel, c'est que tu sois rentable, d'accord? Un exemple, un livre. Donc ça, c'est la première façon. Deuxième façon, le service, d'accord? Donc ça, c'est quand tu te fais rémunérer pour lorsque tu offres un service. Par exemple, le coiffeur, tu vois? Donc ça demande à avoir toujours un service optimal et d'avoir des employés compétents. Troisième façon de gagner de l'argent, la ressource partagée. Donc la ressource partagée, c'est quoi? C'est quand tu achètes, par exemple, l'exemple de la salle de sport, voilà, est très bien illustré. Les gars, ils achètent plein de matériel et il faut rentrer un maximum de gens dans la salle qui profitent et ils se font rémunérer pour ça. 4. L'abonnement. Donc l'abonnement, bah, tu connais, hein, c'est comme le téléphone portable, tu as un abonnement, tu payes tout le temps pour pouvoir avoir accès à le service téléphonique. Tu vois. Après, toi aussi, tu peux par exemple créer du contenu et tu donnes accès à ce contenu-là par abonnement. Par exemple, je ne sais pas si jamais tu fais de l'immobilier, tu veux donner des contenus mensuels ou donner en tout cas accès aux gens à ce contenu-là spécial, genre pour pouvoir investisseur, bah, tu peux créer un abonnement. Okay? Donc, c'est une autre façon de gagner de l'argent. Donc, l'objectif pour l'abonnement, c'est de fidéliser un maximum son client pour qu'il ait le moins d'abonnements, de résiliation d'abonnement. C'est pour ça que les gars des CFR, tout ça, ils nous font des prolongements de 1 an, 2 ans là. Cinquième façon de gagner de l'argent, la revente. En gros, c'est tu achètes à un grossiste et tu revends au détail. Parce que les grossistes, ils n'auront pas le temps de vendre 1000 citrons à des détaillants. Tu vois, ils vont perdre du temps et ce ne sera pas rentable en plus. Okay? Donc ça, tu as cette façon-là de pouvoir gagner de l'argent. Sixième façon de gagner de l'argent, qui est vraiment beaucoup plus connue, c'est la location. Donc location de voiture et location d'appartement, tout ce que tu veux qui concerne la location. Septième façon de gagner de l'argent, la représentation commerciale. Donc c'est tout simplement de faire la promotion de produits ou de services de quelqu'un d'autre et de toucher une commission au passage. Donc ça s'appelle aussi l'affiliation. Et puis voilà, hein. C'est aussi ce que font les vendeurs aussi. Donc ça, c'est quand même c'est assez connu, ça. Mais en fait, tout ce que je te dis, c'est assez connu en vérité. Huitième façon de gagner de l'argent, l'agrégation d'un public. D'accord? Donc c'est un mot super compliqué, mais c'est parce qu'en fait, c'est traduit de l'anglais au français, c'est pour ça que c'est bizarre. Mais en gros, tu attires l'attention d'un public ou un centre d'intérêt commun, d'accord? Et après, tu vends des espaces publicitaires. Donc, communément, la télé, c'est ce qu'ils font. C'est leur moyen de gagner de l'argent. Et les youtubeurs. Les youtubeurs, c'est ce qu'ils font. Ils vendent des espaces publicitaires. Ils attirent des personnes, je ne sais pas moi, si jamais ils sont intéressés par la mode. Ils vont attirer que des gens qui regardent des trucs sur la mode. Et après, il y a Zara qui va venir. Boum, elle va proposer, je ne sais pas moi, de payer le youtubeur pour pouvoir, du coup, qu'il fasse la pub de Zara, par exemple. Neuvième façon de gagner de l'argent, l'emprunt. C'est-à-dire qu'en gros, tu prêtes de l'argent à quelqu'un et lui, il te rend avec des intérêts. Tout simplement, ça, c'est de la banque. C'est le système de la banque. C'est comme ça qu'ils font beaucoup d'argent. En plus, tu peux cumuler les intérêts cumulés quand tu fais ça. Parce qu'en vérité, tu rembourses plus que les intérêts. C'est ça parce que ça se cumule, quoi. Donc voilà, ça, c'était la neuvième façon. Dixième façon, l'option. Alors, l'option, on pense souvent à la bourse, mais il n'y a pas que la bourse en fait. C'est en fait le fait de pouvoir acheter quelque chose qu'on n'est pas obligé de consommer, mais qu'on va consommer dans l'avenir. Donc en gros, pour faire simple, c'est tout ce qui est place de cinéma. Tu payes ta place de cinéma, tu n'es pas obligé d'y aller si tu veux pas, mais tu as réservé ta place pendant 1 heure, 2 heures, tu vois. Et après, tu n'as plus droit. Tu vois, et le théâtre, c'est le même principe. Onzième façon de gagner de l'argent, c'est en mode assurance. Donc, tu couvres les risques en fait
et dommages de certaines des gens. Et eux, ils te versent une prime tous les mois et tu les dédommages. Tu les indemnises lorsqu'ils ont un problème, d'accord? Et la deuxième façon de gagner de l'argent, c'est le capital, donc d'acheter une participation dans une entreprise et de toucher des dividendes chaque année en fonction du chiffre d'affaires, de la rentabilité de l'entreprise. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, d'accord? Il y a les 12 façons que tout le monde utilise, que tu peux mettre aussi, que tu peux utiliser aussi sur Internet. Tu vois, sur Internet, tu peux faire l'abonnement, tu peux faire énormément de choses, tu peux faire l'affiliation, tu peux créer un produit. Donc ça, c'est, de toute façon, c'est les principes qui régissent tous les gens qui gagnent de l'argent, tous les entrepreneurs. Ils utilisent forcément une de ces 12 façons-là. Donc, je voulais les partager avec toi. Je ne sais pas si c'était pertinent. Tu me diras ça en commentaire. Sinon, n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous pour pouvoir avoir accès à ma formation « Comment créer un business en niche ». Je partage avec toi plus de 25 idées de niche rentable, comment créer ton offre, comment créer ton produit, comment créer ton tunnel de vente. Enfin, tu as tout dedans, mec. Si tu veux créer ton business en ligne, tu es au bon endroit. C'est gratuit en plus. Normalement, ça devrait même être payant. Donc, profites-en. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi et on reste déterminés.